Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit sa foi? Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit sa foi? Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit sa foi? De quoi es-tu si sûr? La vie, la mort, le dilemme, le souffle, l'esprit de l'homme, sa relation à lui-même, les forces qui le maintiennent, les forces qui l'animèrent, son rapport à l'animal, aux plantes et aux petits règnes, sa place sur terre, sa difficulté à s'y faire, ses désirs impossibles à satisfaire, cette éternelle quête de bonheur, ce besoin de chercher ailleurs, dans la profondeur intérieure, reste encore un mystère. De quoi es-tu si sûr? Des limites, des limitations, trois carrés bien rangés d'une petite façon, au rythme des vacances, des soldes, des liquidations, est-ce que la vie active au final mené à l'inaction? Je me demande, j'ai encore plein de questions. Non messieurs, les questions, ça mérite pas d'objection. Qui a le courage de quitter ses schémas de protection et de fouiller derrière ses propres projections? Dis-moi qui? Dis-moi qui? Discernes-tu l'inconnu et l'absence, le rêve et la réalité? Si tu fermes tes cinq sens, fais-tu la différence entre attente et patience? Et entre manque d'audace et pas de chance, arrives-tu à percevoir derrière les apparences, à distinguer le chemin entre le malaise et la carence, à écouter l'intuition jusqu'à sentir à l'avance de ne pas faire tienne une vérité qui au fond de toi n'a pas de sens? De quoi es-tu si sûr? De quoi as-tu si peur? Sais-tu te préserver des pressions extérieures face aux dogmes et aux passions pleines d'aigreur, même face à la majorité, rester fidèle au saut que porte ton cœur? Peux-tu te faire tes idées propres sans jamais t'enfermer dedans et tout en écoutant l'autre, voir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise, à l'heure où on se demande qui est le plus humain entre l'animal et l'homme? Entre l'animal et l'homme. Entre l'animal et l'homme. Entre l'animal et l'homme. Entre l'animal et l'homme. Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit savoir? Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit savoir? À quoi t'identifies-tu? Vois-tu qu'il y a autant de chemins qu'il y a d'individus? Tous les rayons mènent au soleil, hey, les comparer serait trop bête, la lumière est une et indivisible. Pourquoi parler d'unité? Bien difficile, à qui profite que tout le monde se divise depuis 15-10 piges? Les politiques de plus en plus insipides, violents et sans limite, souvent avec médias comme Assis. Quelle liberté quand les choix sont minimes, on en est là, à hésiter entre la peste et le choléra, sachant que les deux jouent des manies dans les moins tolérables. C'est pas la guirlande, mais assez fruit que l'on reconnaît l'arbre. Es-tu si sûr? À tes jeux, tes corps et âmes, sais-tu prendre du recul même avec un cœur au bord des larmes? Discernes-tu la grandeur de l'âme? Passe la tornade, la ville trépasse, mais le brin d'herbe est encore là. 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 Tu comprendre le monde juste en matant le 20h, ou connaître l'histoire en ayant lu que l'angle des vainqueurs.